Steffi est enfermée dans la cage des bébés de jour maintenant. Personne ne sait que Steffi est allée affronter Luna. Tout pense que Steffi n'est pas en ville. Cependant, Finn a le sentiment que quelque chose ne va pas. Au fil du jour, Steffi pourrait commencer à bêtre square. D'autant plus qu'il n'y a pas que la cage ou la famine qui menace la vie de Steffi. Le bâtiment est sur le point d'être démoli. Et si c'est le cas, alors Luna s'en sera-t-elle avec trois meurtres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans l'appartement vide, Luna offre un bouteille de eau à Steffi car elle n'a ni mangé ni bu depuis deux jours. Mais Steffi refuse ni lui faisant pas confiance. Il dit à Luna qu'elle ne s'en sortira pas et qu'elle reverra Finn. Luna lui dit qu'elle ne reverra plus jamais Finn. Luna dit sur cette note qu'elle part passer du temps dès qu'elle était avec Bill. Steffi crie alors que Luna s'en va. Steffi continue de frapper sur la cage et d'appeler à l'aide. Finalement, elle s'évanouit. Plus tard, elle se réveille en larmes et pleure en disant qu'elle a besoin de Finn et de leur famille. Elle a des flashbacks sur Finn et Blair qu'elle doit la retrouver. Chez Forrester, Urge et Ridge discutent du fait que Steffi s'est levée et est partie et personne ne sait où elle se trouve. Ridge se sent mal à l'aise car elle est enfermée et elle a la BDG. Ridge note que Urge est bouleversée par autre chose. Urge admet qu'elle s'inquiète pour Luna, qu'elle n'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Ridge est confus car elle devrait s'appuyer sur lui en ce moment. Urge dit qu'elle a été distante et plus prudente et ce n'est pas les gars à qui elle se confie maintenant, si Bill. Ridge dit à Urge qu'elle doit être là pour elle. Urge a essayé et elle lui tend la main. Mais tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a besoin d'être avec Bill. Ridge ne comprend pas pourquoi elle vit toujours avec Bill. Urge admet qu'elle a l'impression de ne plus connaître Luna. Les conversations reviennent à Steffi. Urge craint qu'une urgence ne se produise. Ridge lui dit de ne pas jeter ça dans l'univers. Urge se demande si Finn est où de ses nouvelles corps. D'habitude, Steffi demande des photos des enfants et s'en réjouissent. Ridge pense que si quelqu'un trouvera Steffi si fine,
Chez Bill, Luna remercie Bill de l'avoir laissé rester là-bas. Elle admet que c'est douloureux qu'elle ne soit pas les pires. Qu'elle avait attendu toute sa vie et que son frère Bill soit mort. Elle lui raconte qu'elle a rendu visite à sa mère. Et Bill dit qu'elle également rend visite à Bobby. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait fait ces choses terribles. Luna n'arrive pas à y croire non plus et prie pour qu'elle trouve de nouvelles preuves et un nouveau suspect. Cependant, elle ne peut pas continuer à se mentir. Elle ne peut pas pardonner à Poppy d'avoir tué son père. Elle embrasse Bill et décide de monter se reposer. Elle lui remercie de ne jamais lui avoir tourné le dos. Dans son bureau, Finn reçoit un appel d'une femme de Monte Carlo. Elle demande si Stéphie est là, mais la femme dit à Finn qu'elle ne s'est jamais présentée à leur rendez-vous. C'est pourquoi elle l'a appelée. Finn est encore plus inquiet maintenant. Finn arrive voir Bill chez lui, inquiète pour Stéphie. Il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa femme. Et Bill et Liam ont peut-être été les deux dernières personnes à la voir. Fin du monde, Bill, si Stéphie a dit quelque chose qui l'a marqué, Bill dit qu'elle est juste furieuse que Hope l'embrasse. Finn dit que Stéphie a dit qu'elle avait besoin de s'absenter, mais sur la fin du jour. Et elle n'est pas surveillée les enfants, ni même répondu à son téléphone ou à ses SMS. Luna arrive et dit qu'elle pensait aller nager ici du monde si Bill vous la rejoint. Luna est surprise de voir Finn et demande pourquoi elle est là. Finn explique que Stéphie a quitté la ville. Ils ne peuvent pas la trouver et qu'elle a demandé à Bill. Celle lui avait parlé récemment. Finn demande pourquoi Luna est là. Bill explique que compte tenu de l'arrestation de Poppy, elle l'invitait à rester. Luna a besoin de tous les soutiens qu'elle peut obtenir en ce moment. Luna demande à Bill de lui montrer comment utiliser la télévision dans sa chambre, car elle ne parvient pas à les synchroniser avec son téléphone. Bill demande à Finn de ne pas partir. Bill part avec Luna qui sourit à Finn. Finn semble troublé par la présence de Luna. Finn regarde les photos sur l'étagère de Bill. Il appelle Stéphie, mais ne reçoit que la messagerie vocale. Elle sait que quelque chose ne va pas. Finn commence à voir des flashbacks de Stéphie. Elle dit qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Et elle vient les chercher. Stéphie, seule dans sa cage, pleure Finn.
Elle ne veut pas que leur histoire se termine ainsi. Elles se sont toujours trouvées. Et elle compte sur lui pour la retrouver. Finn, aide-moi, sangle-t-elle.